Oui, ça va, je sais, c'est bon, je sais. J'ai compris, les jeux de combat, c'est difficile de s'y mettre. Quand t'es nouveau, c'est difficile. L'investissement, de l'apprentissage, il y a trop de trucs dans les jeux de combat. Et le lexique, ça aide pas du tout. Gigantesque le machin. Sans parler des termes qui sont vraiment sauvages. Quand je dis sauvage, sauvage. Cette vidéo, on est là pour parler du lexique, justement pour expliquer le lexique en général, hein, pour pouvoir aborder ces mots complexes et variés, expliquer le pourquoi du comment. On va pas expliquer tous les mots, on va en expliquer certains, mais ça sera déjà pas mal, ouais. Je les vois venir. Je les vois venir, les gens, Kevin. Et pourquoi t'expliques pas tous les termes? T'es un flemmard, en fait. Oh. Alors, déjà, de 1, ben, je t'emmerde, en fait. De 2, je fais ce que j'ai envie. Et puis, de 3, t'as vu la masse de trucs? C'est terrible. Autant il y a des termes, ça marche pour tous les jeux de combat, autant il y a des termes que tu entendras jamais parler et qui ne fonctionnent que sur un jeu. Sans parler des termes qui fonctionnent différemment selon le jeu. Ah, c'est terrible, ça. J'ai fait une sélection. Normalement, ça parlera à tout le monde. Ouais. Au pire, si t'arrives pas à savoir, cette vidéo elle est composée un petit peu comme un dictionnaire. Tu la gardes de côté, tu remates de temps en temps un ou deux petits trucs que t'as pas trop bien compris. Y'a pas de soucis. Hein, on est là pour ça, donc. On donne. On est pas. On partage. On donne. On est comme ça. Donc. Donc le virement PayPal, c'est bon. La plupart des termes sont anglais ou japonais. Donc on va pas s'amuser à tout traduire bêtement. Non mais un exemple comme ça, rapide. Overhead. En français, ça donne coup par-dessus la tête. Le fait qu'on ne traduise pas, ça ne veut pas forcément dire que je vais pas vous expliquer en bon franchouillard que je suis. Hein. Surtout pour les débutants, là, ouais. Les genoux, ouais. Il va falloir que vous preniez un peu d'eau, hein, et que vous versiez sur le visage de temps en temps, parce qu'il va y avoir pas mal d'infos à assimiler. Et puis pour les autres, là-bas, qui connaissent un peu plus, une petite piqûre de rappel de temps en temps, hein, ça fait pas de mal, mais non. C'est comme les vaccins. Bon, déjà, on va commencer par une chose. Pourquoi aimer les jeux de combat? Hein? Genre, à quel moment on aime ça? Parce que t'aimes la baston. Hein, t'aimes la baston. Mais pas le côté que physique. Hein, pas le côté transpiration. Pas que ça. T'aimes le côté stratégique, un petit peu. Et le côté psychologique, un petit peu. Genre, le mec fait 2 mètres, je fais 50 cm de haut, je vais niquer sa mère. Ouais. T'aimes bien ça, je le sais. Mais y a pas que ça. Ben, très peu, au final. Un jeu de combat, c'est avant tout des maths. Et de la logique. Donc on va commencer par les frames. Alors qu'est-ce que ce sont des frames et qu'est-ce que c'est? Alors si t'as jamais joué à un jeu vidéo de ta vie, les frames, c'est entre guillemets une unité de mesure qu'on utilise en jeu vidéo. Mais pas que. Quand on dit frame, c'est une image donnée. Par exemple, quand on dit 30 images par seconde, c'est 30 images en une seconde. Donc tu prends une frame, c'est une image parmi ces 30, dans la seconde. C'est bon pour toi? Pour vulgariser, c'est très simple. Tu prends un dessin animé. Ce sont juste des dessins qui défilent. Juste en prends un, dans tous ceux qui défilent. Ça, c'est ta frame. Tu peux pas faire plus simple à un moment donné. La frame data, c'est un tableau de frame d'un personnage. C'est une espèce de tablature qui te dit tel coup fait tant de frame, tel coup fait tant de frame, voilà. C'est tout. Voilà. Alors quand on parle de frame d'un coup, par exemple, le gros pied de Ryu qui se décompose à peu près en une trentaine de frames. Quand on parle d'un coup, avec ces frames, on le décompose en plusieurs parties. La première partie, le startup frame, donc le démarrage de l'animation, ça n'a pas d'effet dans le jeu, c'est juste pour faire joli. Genre, il arme son bras pour mettre un gros coup de poing dans la tronche, c'est juste de l'animation. Ensuite, au milieu, là, il y a l'active frame, hein, le moment où le coup est actif, c'est-à-dire le moment où le coup tendu est censé toucher. Et puis en dernier, le recover frame. Là où tu récupères l'animation de ton personnage. Pour qu'il se remette à sa position de base. Après, on va parler de l'input lag. Alors l'input lag, c'est très simple. C'est le moment où tu presses ton bouton. Il y a un délai avant que ça apparaisse à l'écran. Très peu perceptible de nos jours. C'est de l'ordre d'environ 0,01 seconde jusqu'à 0,05 secondes. Normalement, si le jeu n'est pas mauvais. Sauf Stadia. C'est juste le moment où tu appuies sur le bouton, le temps que ça arrive à l'écran. Ça peut être l'input lag. Tout simplement. Le end lag, c'est pas du recover frame, mais presque. Le end lag, c'est à la fin d'un coup, à la fin du recover frame, quand ton animation a récupéré, ça va être le moment où est-ce que tu vas pouvoir taper ou non. Par exemple, si t'as balancé un gros coup de poing, t'as récupéré ton animation, mais le jeu te rajoute encore un petit délai supplémentaire. Ça s'appelle du end lag. Et là, il est assez conséquent. Du coup, tu peux pas retaper derrière pour créer des combos. Hein ? T'es obligé d'attendre. La hitbox. Et non pas la Xbox. Rien. La hitbox, c'est quand tu mets un coup de poing. On est d'accord, là tu as l'animation de ton poing, le dessin. Mais en fait, ce sont les pixels qui sont sélectionnés qui vont dire si le coup touche ou non. La earthbox, c'est une sélection de pixels qui sont
autour de ton personnage qui vont dire si un coup rentre dans cette zone, ton personnage aura mal. Hein, ça, c'est du codage. Hein. Si la hitbox rencontre la earthbox, il y a un coup qui se déclenche. Après, il y a le hit stun. Rien à voir. Le hit stun, c'est quand t'as pris un coup dans la tronche, le temps que ton personnage récupère. Le hit stun, c'est le moment de récupération auquel tu ne peux rien faire. Hein. Si t'as mis un gros coup de poing dans la tronche, ton personnage il va un peu vaciller, quoi. Et ben, c'est le moment où, quand il vacille, t'auras beau pianoter comme un fouf, il se passera rien à l'écran. Après, il y a le hit lag. Le hit lag, le moment où un coup touche, là où la hitbox rencontre la earthbox, il y a un moment où le jeu fait comme un freeze. Une milliseconde où le jeu ne bouge plus. Ça s'appelle le hit lag. C'est juste pour que les joueurs puissent voir, ok, le coup a touché. C'est juste visuel, en fait. L'autocorrect. Alors ça, l'autocorrect, c'est si ton personnage se retrouve dos à l'adversaire par magie ou par inadvertance, hein, ta gueule c'est magie. Si tu fais une manipulation dans un sens, parce que tu t'es dit que ton personnage allait forcément se retrouver face à face à ton adversaire, et ben le jeu va retourner ta manipulation pour que ça colle exactement à un coup de la liste de ton personnage. C'est pas clair? Attends une minute. Avec Ryu, si tu fais carte de cercle avant point, tu as le Hadoken qui sort. Si tu le fais et qu'il est de dos, il se passe rien du tout. Bah le jeu, il va corriger ça. Tout simplement, il va balancer le Hadoken dans le bon sens. Doser. Alors, stop aux erreurs. Je dis ça en toute honnêteté, en toute gentillesse. Arrêtez. Arrêtez de dire, je vais doser un jeu. Non. 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 Le fait de doser, c'est pas de l'entraînement. Le fait de doser, c'est arriver à donner un coup parfait au bon moment, à la bonne hauteur, etc. Quand tu as dosé ton personnage, ça veut dire que tu le connais sur le bout des doigts et que quand tu sautes, tu sais jusqu'à quelle hauteur tu peux sauter, tu sais à quel moment ton coup il doit être balancé parce que tu sais exactement la distance exacte qu'il fait. Enfin bref, c'est ça doser. Donc arrêtez de dire que quand vous dosez un jeu, c'est juste pas possible. Piffer. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le terme piffer sans déconner? Tu piffes quoi? Tu piffes, tu hasardes, je sais pas, tu fais un truc random et puis. Puis des fois ça rentre et puis des fois ça rentre pas, tu piffes bordel de merde. Un peu de pif dans ta vie. Le corner. Dans les jeux de combat, généralement en 2D, il y a un corner. À gauche ou à droite, l'extrémité, il y a une espèce de mur invisible qui empêche ton personnage de continuer à l'infini et au-delà. Le corner, c'est juste cet endroit-là où ton personnage est bloqué dans un coin. Généralement, vaut mieux pas s'y retrouver. Bah parce qu'en fait, vu que ton personnage ne peut pas retomber plus loin, l'adversaire peut te comboter généralement à l'infini dans cet endroit-là, donc vaut mieux éviter. Là, t'es sous pression, tu peux pas t'enfuir correctement, donc... Comme un boxeur dans un coin de ring, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Il veut s'en sortir, il veut survivre. Bah, toi, c'est pareil. Quand t'es dans un corner, dégage. Essaye de survivre. Un sac. On parle d'un sac quand on parle d'un sac Louis Vuitton. Mais nous, en jeu de combat, on parle d'un sac quand on parle d'un joueur qui est pas capable de jouer correctement. Ou alors, un joueur qui se fait bourrer le fion comme c'est pas permis, qui nous sert de sac de frappe, un petit peu. Le SNK Boss Syndrome. Ou le syndrome du boss SNK. C'est tout simplement les boss de jeux vidéo qui sont un peu trop pétés. Mais un peu, pas juste ta gueule, c'est magique. Genre, ils sont plus forts, ils sont plus rapides, ils ont beaucoup plus de vie. Enfin, c'est juste abusé, d'accord? Craqué. Fumé du cul. Complètement craqué. Mais tôt là. Il y en a 2-3 qui sont assez célèbres, mais... Pour les anciens, Rugal de King of Fighters, ça vous dit quelque chose? Le genre de mec qui te zonait, il protégeait tous les coups, et s'il te touchait 2 fois, t'étais mort. Bon, pour ceux qui sont un peu plus dans les jeux un peu plus récents, Mortal Kombat 9, Shao Kahn, ben voilà. Les barres de metteur, ou la jauge, ou la barre de super, appelle-la comme tu veux. Tu sais, généralement dans les jeux, t'as une petite barre, autre que ta barre de vie, qui se remplit ou qui se vide selon ce que tu fais. Et cette barre, si tu l'utilises, ça fait des coups spéciaux ou des super attaques. Et baisser ça. Après, dans d'autres jeux de combat, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Les combo bars, les hyper levels, les jauges de tension dans Guilty Gear. En fait, c'est une barre de ki. Hein. En vrai. Le balance. L'équilibrage en français. Comment dire tu joues à d'autres jeux vidéo? Dans un jeu vidéo, tu as des personnages qui sont plus ou moins puissants. Si un jeu est correctement fait, qu'il n'est pas codé avec le cul, normalement le jeu est balance. C'est-à-dire que tous les personnages sont sur un pied d'égalité en termes de puissance, en termes de rapidité, etc. Après, chaque personnage a ses petits ajouts différents à d'autres, mais ça ne le rend pas plus craqué qu'un autre, normalement. Si l'équilibrage est bien fait, ce qui n'est que très rarement le cas, en fait. Problème de l'équilibrage, c'est que du moment que tu dépasses 12-13 personnages,
pour équilibrer un jeu. Oh la vache! Sans compter les persos qui sortent en DLC, qui changent complètement l'équilibrage de ton jeu, donc faut tout recommencer à zéro. De l'équilibrage en découle forcément une tier list. Alors qu'est-ce que c'est une tier list? C'est un classement de persos selon l'ordre de leur puissance. S'il est pourri du cul, il est en low tier, donc en low bas, hein, en bas tiers, tiers du bas, traduit comme tu veux. S'il est moyen, on va dire, il est en mid tier, hein, donc partie du milieu. S'il est bon, mais genre bon quand même, tu vois, il est top tier. Mais après, il y a au-dessus encore, il y a god tier. Le genre de perso que... C'est limite un boss SNK, sauf que t'es dans un jeu de combat et t'as le droit de le jouer. Saison 2, Dragon Ball Fighters, Goku GT, hein, on en parle ou non? Après, forcément à ça, il y a le counterpick. Le counterpick, c'est quand tu prends un personnage comparé à un autre, il y a un avantage sur lui, tout simplement. Si en face, l'adversaire, il a un personnage très défensif, hein, qui a une espèce de garde naturelle, j'en sais rien, j'invente. Si toi, tu prends un personnage plutôt choc, bah du coup, t'auras beau avoir de la défense, on s'en bat les couilles. Donc, ça te counterpick. Niqué. Si tu prends une épée, d'accord? Et que moi je sors la K47, je t'ai counterpick. Enfin, c'est un peu violent quand même, mais c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que c'est que le match-up? Le match-up, c'est l'observation de différentes puissances dans un match. Hein, on va juste, c'est le fait juste d'observer, lui sait faire ça, lui sait faire ça, je donne l'avantage à lui parce que lui... voilà, on parle pas du joueur, on parle des personnages, c'est un match-up. Après, il peut avoir le match-up des joueurs. Le match-up des joueurs, c'est... C'est un petit peu comme des paris sportifs, quoi, au final. Le mind game, le jeu de l'esprit, il est là. Dans le mind game, c'est très simple, dans un jeu de combat, tu utilises la psychologie contre ton adversaire. Alors là, tu vas me dire, mais t'es censé lui bourrer de coups de poing dans la tronche, pourquoi tu parles de psychologie? C'est très simple, Jean-Michel, c'est très très simple. Le mind game se décompose en plusieurs autres parties, que je vais expliquer juste après, mais le mind game, c'est vraiment le côté, je te domine psychologiquement pour prendre le dessus, te retourner et te faire... Calmons-nous. Le download, le DDL, c'est tu observes ton adversaire, tu le télécharges littéralement. Vraiment, tu bois ses informations, tu les assimiles, tu vois que à chaque fois qu'il fait pied-point, il saute. Eh ben c'est bon, tu l'as téléchargé, tu le laisses faire pied-point, et tu le punis quand il saute, la vénère. Le conditioning est un peu plus différent. Le conditioning, lui, c'est pas le fait d'observer, c'est tu conditionnes l'adversaire à faire une certaine attaque pour que toi tu puisses le punir derrière. C'est pas clair? Attends, j'arrive. Par exemple, tu vas beaucoup sauter, hein, pour habituer l'adversaire à ce que tu sautes. Et quand il va essayer de te punir une fois, tu vas dire, ok, il a compris que je sautais souvent, maintenant c'est à mon tour. Et au moment où il croit que tu vas sauter, tu le punis! Mais oui! On parle de read, enfin, de lecture, hein, ou de yomi en japonais, c'est le fait, la lecture du jeu adverse. C'est un peu comme le téléchargement, mais c'est vraiment le général, tu vois. C'est, tu vois comment il joue. T'as compris son système de jeu. T'as compris sa façon de jouer. Tu comprends comment il s'est entraîné. Tu sais dans quelle cascade il est allé pour s'entraîner. Tu connais même son porno préféré. Enfin bref, avec une bonne lecture de jeu, tu arrives à connaître ton adversaire avant qu'il ne se connaisse lui-même. Le Sharingan. Alors, comme dans Naruto, le Sharingan, c'est avec tes yeux que ça se joue. Tu vas observer quelque chose et tu vas être capable de le refaire alors que tu t'es pas entraîné auparavant, directement. Généralement, on parle de Sharingan quand les joueurs ont la flemme de s'entraîner pendant des heures dans le dojo, hein, enfin dans l'espace d'entraînement du jeu, et que du coup, ils vont regarder des joueurs pro jouer, et ils vont dire, on peut faire ça, je note. C'est ça le Sharingan. Vous remarquerez que dans les jeux de combat, il y a beaucoup le jeu de pierre, feuille, ciseaux. Hein, le Janken en japonais. À chaque situation donnée, donc à chaque offensive ou à chaque option défensive, il y a un contre à cette option-là. Si le mec tape beaucoup, tu défends, donc ça contre. Si le mec défend beaucoup, ben tu le chopes, donc ça passe à travers la défense. Et si le mec chope beaucoup, ben tu tapes. Parce que au moins il peut pas te choper, vu que quand tu frappes, ça va plus. C'est une boucle, comme le Janken. La boucle est bouclée? C'est évident. Le Shoto. Le Shoto, c'est tout simplement le style de combat de Ryu et Ken dans Street Fighter. Alors là, je sais, là, tu vas te dire, d'accord, à quoi ça m'avance? Sois patient. Mais en fait, on parle de Shoto au départ dans Street Fighter, mais maintenant, on parle de Shoto aussi dans les autres jeux de combat. Quand tu as un personnage qui a les mêmes coups, les mêmes caractéristiques que Ryu et Ken de Street Fighter, tu dis que c'est un personnage Shoto, en fait. Et tout le monde comprend tout de suite, hein. Mais rien que dans Street Fighter, il y en a une pelletée de persos Shoto, c'est terrible. Donc t'as Ryu, t'as Ken, t'as Guki, ou Akuma, pour les intimes, t'as Sakura, t'as Kage, enfin même si on peut pas vraiment le considérer comme ça. Bref, une stance. Ah, alors la stance, c'est tout simplement une position de départ d'un personnage. Si un boxeur a une stance dans un jeu de combat, généralement, il va garder la garde haute. Si c'est un karatéka ou je ne sais quoi, il va avoir une garde basse.
ça c'est une stance. Mais dans les jeux de combat, dans certains jeux de combat, une stance, c'est une position différente de la position de base du personnage qui va pouvoir délivrer des coups complètement différents de ce qu'il fait d'habitude. Exemple, le personnage n'utilise pas du tout de katana, pourtant il a un katana dans le dos, et il y a une activation qui va sortir le katana, il va pas bouger, et selon le bouton que tu vas appuyer, il va faire une action spéciale. C'est une stance. Donc il y a diverses options à travers une position. Dans Guilty Gear Xrd Rev 2.604432, Faust a une stance. Faust, c'est le gars avec un sac plastique sur la tête. Quand il s'accroche à son scalpel, et ben en fait, chaque bouton a une option différente. Soit tu fais apparaître une fleur, soit tu tires la lance, soit tu lui fonces dessus, soit tu descends de ton scalpel, soit tu sautes avec les pieds en l'air. Bref, c'est une stance. Bizarre, certes, mais c'est une stance. Le Neutral Game. Alors, le Neutral Game... Bon, calmez-vous. Non, parce qu'il y en a encore à l'heure actuelle qui utilisent la notion Neutral Game sans vraiment savoir ce que c'est. Donc on va s'arrêter de s'énerver et on va poser les bases tout de suite. Le Neutral Game, c'est quand tu as deux adversaires et qu'il se passe rien. Enfin, si, il se passe beaucoup de choses dans leur tête, mais à l'écran, du moins, ils essayent de se jauger, ils essayent de se toucher, mais sans prendre trop de risques. Dans le Neutral Game, t'essayes de dominer l'autre, mais personne n'a l'avantage à proprement parler. Sinon, le Neutral Game, il est pourri. Ça sert à rien. Le Neutral Game, c'est comme dans les combats de MMA. Les joueurs sont à distance, ils se jaugent, ils se regardent. Mais c'est un peu ça, le Neutral Game. C'est que tu gardes tes distances et t'essayes de faire une erreur. Un truc. On parle de Neutral Game, mais il faut parler de coups safe, du coup. Les coups safe, c'est les coups sûrs. C'est les coups qui te mettent pas en danger. Si tu touches, tu peux lui faire encore plus de dégâts avec un combo. Et si tu ne touches pas, c'est pas grave, tu es safe. Le coup a tellement peu de recover frame que du coup ça va, l'adversaire n'aura jamais le temps de réagir, c'est impossible. Même s'il prend l'animation la plus rapide de son personnage, il pourra pas te toucher. Comparé à un coup unsafe qui est l'inverse. Hein, évidemment, unsafe, si tu mets un gros coup dans une garde et que ça met 1000 ans à récupérer, l'adversaire il a le temps d'aller se faire un café, revenir et te poutrer la gueule. Bon, c'est pas très safe tout ça. La priority, c'est la priorité. Je sais, Captain Obvious, je suis là. Mais on parle de priority quand un coup est donné en même temps qu'un autre, mais que c'est ce coup-là qui touche et pas l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il a la priorité, parce qu'il a une hitbox plus grosse, parce qu'il est plus rapide. Il y a plein de possibilités différentes, d'accord ? Hein ? On dit qu'il a la priorité, donc il a la priority. Voilà. C'est sympa à comprendre, en fait. Genre, si tu fonces dans un camion avec ta petite Twingo, ta Twingo, elle va se plier en mille. Le camion, il aura pas gros dégâts. Ben, on va dire que le camion, il avait la priorité. C'est pas très bon, ça. Un tag, c'est le changement d'un personnage avec un autre. Mais on parle de tag quand t'as des jeux en tag team, hein, où il y a plusieurs personnages dans ton équipe. Généralement, ils sont au nombre de 3 ou 2. Ça peut arriver. Marvel vs Capcom, c'est un jeu tag team. DBFZ, c'est un jeu tag team. Le timing windows, la fenêtre de tir en français. On parle très rarement de timing windows en vrai, mais de temps en temps, ils le disent vite fait, comme ça, ils le calent dans les commentaires, comme ça, en mode... Hop, discret. Hop là. C'est juste une marge de timing, en fait, hein, c'est tout. Le 50-50, quand tu défends et que tu es en situation de 50-50, c'est soit tu arrives à défendre correctement, soit pas. Soit c'est un coup en haut, soit c'est un coup en bas. Soit c'est un coup devant, soit c'est un coup derrière. C'est pas vraiment aléatoire, mais c'est tu as 50% de chance de survivre. Un vortex, ou un mood. Quand t'es dans un mauvais vortex, t'es dans une mauvaise boucle. Tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment dans la merde, et tu te remets dans la merde, parce que t'es dans la merde, t'es psychologiquement, t'es dans la merde, et tu te remets dans la merde. C'est un vortex. Négatif, mais c'est un vortex. Donc quand t'as un mauvais mood ou un mauvais vortex, t'arrêtes pas de prendre les mauvaises décisions, et que ça te déconcentre, et du coup tu prends les mauvaises décisions, du coup ça te déconcentre encore plus. Pour sortir du vortex, c'est très simple. Tu te laisses bourrer la gueule, tu te laisses mourir. Et à la fin du combat, avant de reprendre la revanche, dans l'écran de sélection de caractère, et tu souffles un bon coup, tu prends... Je sais pas, 10, 20 secondes, 30 secondes, une demi-heure, bah peut-être pas une demi-heure, mais une bonne trentaine de secondes pour souffler un bon coup et dire « Ok, j'ai été un sac à merde, on se reconcentre et t'y retournes. » Et là, c'est bon. Donc il y en a qui se concentrent, il y en a qui lisent des mails, il y en a qui souffrent, qui font de la méditation, il y en a qui boivent de l'eau ou des substances un peu bizarres, et puis il y en a qui regardent des livres pornographiques. Chacun ses délires, d'accord ? Le baiting, ou un bait, du coup. Le baiting, c'est quand tu veux punir l'adversaire, tu vois ? Tu causes une mauvaise réaction. Tu fais un mouvement super visible pour que l'adversaire se dise
Oh, il a fait ça? Je vais le punir! Et en fait, non, tu avais prévu le coup, c'est un piège. La punition, c'est quand tu punis, paf! La punition, c'est quand l'adversaire a loupé quelque chose, et ben tu le punis. Il n'y a pas plus clair comme situation. La punition, c'est la punition, c'est la fessée, là. Oui, le cancel. Le cancel, le cancel. Alors, en français, ça donne annulation. Mais pour expliquer le cancel, c'est un peu plus vaste, quand même. C'est quand tu arrives à interrompre quelque chose, un coup spécial, ou je ne sais pas, t'arrives à interrompre quelque chose pour faire autre chose à la place. Ça sert à piéger l'adversaire, certes, ou à continuer des combos impossibles. C'est une annulation qui te permet des actions en plus. C'est très bizarre, mais c'est comme ça que ça se dit, d'accord? Moi, j'y suis pour rien. Le just frame, c'est de réaliser une action ou un coup à la frame parfaite, tout simplement. Whiffer, whiff, pas swiffer, hein, whiff. Quand tu whiffes un coup, ça veut dire que ton coup n'a pas touché. Alors, ça n'est pas forcément péjoratif, d'accord? Quand tu as loupé ton coup, tu peux l'avoir fait intentionnellement pour couvrir l'espace et pour pouvoir démarrer autre chose derrière. Il y a des coups qui whiffent en combo qui te permettent de redémarrer un autre combo pendant le combo. Bon, ça dépend des jeux aussi. Le buffering. Ah, le buffering. Ce n'est pas de la viande, non. Le buffering, c'est pendant que ton personnage fait une certaine animation, tu rentres un autre coup, en fait, le jeu le garde en sauvegarde et le sort dès que possible. En fait, tu commandes avant que l'action soit finie pour que la commande sorte dès que possible. C'est le buffering. Le shenanigans. Rien à voir avec le Sharingan, hein. Le shenanigans, la filouterie un petit peu, hein. Le malotru, la manigance, tu vois, le filou. C'est un truc un peu risqué, hein. Le shenanigans, c'est un petit peu genre, c'est faire une action très risquée. Genre, il te reste 2 HP, tu dis, oh yolo, j'y vais, je fais ça. Si ça a une grande chance de rentrer, mais si ça rentre, c'est bon, ça te sauve ta partie. Si ça rentre pas, si le gars arrive par miracle à garder, et qui te punit derrière, général, t'es mort. Hein, avec les 2 HP qui te restent, c'est ça. Le shenanigan, c'est ça. C'est cette manière de gagner un petit peu, genre, filou, tu vois. Un petit peu, hop, j'ai volé la game. Hein, comme ça. T'as fait un petit peu une XPK dans les jeux de combat, tu vois. Un jab. Ceux qui font de la boxe savent ce que c'est un jab, pas besoin d'expliquer, mais pour les autres, un jab, c'est un coup rapide, qui récupère rapidement. Un jab, c'est un coup de poing rapide, tout simplement, merde. Un juggle, c'est un combo en jongle, quand tu jongles avec le cadavre de ton adversaire. Quand ton adversaire est en l'air et toi, tu l'empêches de tomber par terre. Mais pour démarrer les juggles, du coup les jongles, il faut faire un flotteur. Un flotteur, c'est un coup qui va permettre à ton adversaire d'être lancé en l'air pour que tu puisses le récupérer et faire un espèce de jongle. Ah, tu l'utilises comme une balle. Le manque de respect est total. Un poke. Un poke, c'est un petit coup, à distance ou non, hein, on s'en bat les couilles, mais c'est un petit coup qui va juste faire chier l'adversaire. On parle du poke aussi en hit and run dans certains jeux. C'est une manière d'harceler, mais tout en restant en sécurité, tu vois. Ça va pas te permettre à toi de faire des combos de ouf, ça va juste te permettre de le jauger, de le faire chier, de lui balancer des petites piques comme ça, genre poke. C'est chiant, hein. Pouk, pouk, bah c'est ça, hein, pouk. Le pressing. Le pressing, c'est là où tu fais ton linge. Mais dans les jeux de combat, tu es en garde, tu es en train de garder l'adversaire, qui te fout sur la gueule, mais toi, tu es obligé de garder. Tu n'as pas d'autre option que de garder. C'est tout simplement un enchaînement de coups, un espèce de combo fait dans la garde, et où toi, tu es obligé de garder. On parle de furie quand on parle de super attaque. Une furie, c'est quand tu utilises généralement toutes tes barres d'un coup, ça donne un coup super spécial, avec une animation de ouf, voilà. C'est une furie. Unblockable, imbloquable. On dit d'un coup qu'il est imbloquable quand il est imbloquable. C'est pas clair? Tu es en garde, le mec te fait un coup imbloquable, t'as beau être en garde, il s'en bat les couilles, ça te touche quand même. Généralement, ils sont longs à charger, c'est des grosses attaques bien lentes, mais qui font mal, et qui passent par-dessus la garde, ou qui passent carrément au travers, on s'en bat les couilles, ouais. Un trade, c'est un échange de coups, mais quand on parle d'un trade dans un jeu de combat, c'est surtout deux coups qui se touchent au même moment. Du coup, bah, les deux personnages se bourrent la gueule au même moment. Tu sais, dans les dessins animés, généralement, les deux personnages qui se mettent un coup de poing en même temps, c'est ça. C'est au même moment. Les chip damage, ou gratter en français. On aime bien gratter, nous. On gratte pas l'amitié, attention, rien à voir. Le terme gratter, c'est arriver à enlever de la vie petit à petit, malgré que l'adversaire soit en garde. Ça, c'est pas présent dans tous les jeux, mais quand ça y est, ça peut te sauver la vie. Mouais. Ah, le gars, il reste 3 HP, il est au bord de l'écran, il est en garde comme il en peut plus. Tu fais une attaque super en garde, même s'il lui reste 3 HP, ça va pas lui faire beaucoup de points de vie, mais ça va le tuer. Quand on dit bourré en français, c'est pas juste que t'as beaucoup bu. Non, quand tu bourres le fion à quelqu'un, c'est pas juste que t'es en train de le sodomiser. Non plus. Dans les jeux de combat, quand tu bourres quelqu'un, c'est que tu vas de l'avant et tu tapes. Et tu vas de l'avant
et tu tapes. T'es quelqu'un de violent, tu vois, quand tu bourres quelqu'un, c'est que t'es quelqu'un de méchant. Tu bourres quelqu'un, tu le laisses pas respirer, tu tapes, t'es toujours là, tu tapes. Rien à voir avec le fait de spammer, hein. Non, spammer, c'est tu fais un coup, une action, ou un coup spécial, en boucle, comme un connard. Dès que tu l'as, tu le sors. Hadouken, 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 Hadouken. Oh, Shoryuken, oh putain, oh, oh là, s'y attendait tellement pas. Et spammer n'a encore rien à voir avec le bouton de machine. Le bouton de machine. Quelle est cette diablerie? Tu veux un exemple de bouton de machine? C'est ça, le bouton de machine. Le air to air, c'est quand t'es en l'air, qu'un personnage est en l'air, et tu le fous sur la tronche. C'est un coup qui touche quand l'autre personnage est en l'air, et que toi aussi. Le air to air. Un coup sweep, c'est un petit peu genre la balayette quand t'es au collège, tu vois. Le coup sweep, c'est généralement un coup gros pied quand le personnage est baissé. Hein, c'est genre une grosse balayette, un gros tacle. Très présent dans les Mortal Kombat, les sweeps. Bon, on parle de coups, mais le combo, eh ben, c'est une série de coups qui combattent entre eux. C'est pas clair. C'est une série de coups donnés à l'adversaire qui ne peut être interrompu si c'est correctement fait. Ça, c'est autre chose. Le pianoing. Le pianoing, c'est quand tu tapes certains boutons selon un certain ordre assez rapidement, ça déclenche un truc spécial, un combo spécial ou un truc comme ça. C'est un pianoing. Wookie, dans Street Fighter, il a du pianoing. Le point point moyen point dash avant gros point, c'est du pianoing. C'est un combo, ça démarre une animation, mais c'est du pianoing. Le damage reduce. Plus un combo dure longtemps, en termes de temps et en termes de nombre de coups donnés, plus les dégâts vont être réduits par nombre de coups. Si tu fous 4 coups à un adversaire, ça va lui enlever 10% d'HP. Si tu lui fous 6 coups sur la tronche, ça va lui enlever 13% d'HP. Ça évite de descendre la vie trop facilement et trop rapidement. Faut faire du real plaisir, tu vois. Un launcher, ça permet de lancer un combo. Un launcher, c'est un coup qui démarre un combo. Quand tu tombes ta clé dans ta voiture, ça démarre le moteur. Ben, un launcher, ça démarre un combo. Un Link, c'est un personnage vert dans les jeux Zelda. Non, rien à voir. Un Link, c'est un lien entre deux coups. Et si le Link est bien réel entre deux coups, ça fait un combo. Donc si t'as 3 coups, mais que les 3 coups sont linkés, ça fait un combo en 3 coups qui ne peut pas être interrompu, selon les jeux. Le hit confirme. C'est très simple. Tu jauges ton adversaire jusqu'à temps que un coup touche et que l'adversaire n'a pas réussi à le garder. Bah, tu le confirmes en un combo ou en une phase combotable. En quelque chose qui link avec ce coup qui a touché. Le fait de hit confirme, c'est j'ai réussi à ouvrir la garde, donc je le punis. Une conversion, c'est comme un hit confirme, mais en plus compliqué. Une conversion, c'est, admettons, t'as le personnage adverse qui te saute dessus, et tu arrives à le punir, tu arrives à le taper pendant qu'il est en l'air, pour que son coup ou son animation soit annulé. Et de là, tu jongles avec lui, tu le juggles. Et ça, c'est une conversion. C'est plus compliqué à mettre en place, mais généralement, quand tu le fais, c'est sympathique. Le bread and butter. Le B&B. C'est un combo qui est réalisé avec un personnage qui est tellement logique. Un combo en B&B, c'est un combo qui est 1, plutôt simple à réaliser, qui 2, fait énormément de dégâts, qui est très rentable, et 2, 3, que tu peux le faire assez souvent. C'est vraiment genre le combo ultra versatile, tu vois. C'est le combo. C'est le combo. Un auto-combo. L'auto-combo, c'est tu appuies tout le temps sur la même touche et ça sort un combo automatique. Fait par l'ordinateur. Alors, oui, c'est plus simple, ça permet aux jeunes débutants de pouvoir se mettre doucement au jeu de combat, mais à haut niveau, c'est pas souvent fait. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela. 1. L'auto-combo est très anticipable, très facilement anticipable. Ah, tu le vois le venir à des kilomètres, le mec. 2. Le combo fait pas beaucoup de dégâts. Genre, pas beaucoup. Comparé à un combo fait de manière plus artisanale, on va dire, ça fait pas énormément de dégâts. Et 3. L'auto-combo est pas rentable. Ça te donne pas de barre ou c'est pas très rentable. Ou alors la mise au sol est pas intéressante. Bref, un auto-combo, s'il est bien organisé par le jeu, c'est pas rentable. Un loop. C'est dans un combo, une phase du combo qui peut se faire plusieurs fois de la même manière. C'est un loop. C'est un peu comme une boucle que tu peux répéter plusieurs fois dans le même combo avant de continuer ton combo. Rien à voir avec les infinite combos. Alors, infinite combos, ce sont des combos qui sont inarrêtables, que tu peux continuer à l'infini jusqu'à la mort de l'adversaire. Ça va, c'est bon pour vous? Généralement, oui, c'est compliqué à faire. Si il y a des infinite combos dans ton jeu de combat, ça veut dire que ton jeu de combat est codé avec le cul, généralement. Parce que l'infinite combo, c'est considéré un petit peu comme un bug. Hein. Le TOD, c'est comme un infinite combo, mais c'est pas un infinite combo.
J'ai pas fini. Une fois que t'as ouvert la garde de ton adversaire, c'est le fait de faire un espèce de combo qui va durer jusqu'à la mort de l'adversaire, mais qui va être très 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 compliqué à sortir. Un TOD, c'est le fait que le personnage adverse avait toute sa vie, tu le touches une fois, et tu peux démarrer ton combo jusqu'à ce qu'il meure. C'est ça. C'est un Touch of Death. Je t'ai touché, tu meurs. C'est Death Note, mais sans papier et sans crayon. Un TOD, c'est plus complexe qu'un Infinite Combo, mais c'est normal. Enfin, c'est plus logique. Quand tu conçois ton jeu vidéo, si tu laisses un TOD exister, c'est que tu as réfléchi à la façon dont il doit être fait, c'est qu'il doit y avoir des conditions, c'est que le combo est super difficile à rentrer. Enfin bref, si tu arrives à faire un TOD, généralement, tu te félicites. S'ils sont trop faciles à faire, ça perd un peu de l'intérêt, quoi. On retrouve beaucoup, mais alors beaucoup de TOD dans Marvel vs. Capcom Infinite et dans Dragon Ball FighterZ. Le délai, c'est le délai. Tu changes le rythme de tes coups, tout ça pour que l'adversaire fasse une action et que tu le punisses derrière, avec une chope ou un autre coup par exemple. Mais on parle pas de délai, nous, généralement en France, on dit plutôt décalage. Parce que tu décales ta façon de jouer, tu décales ton coup, tu décales ta chope, tu décales dans le rythme normal que tu as instauré, tu décales un petit peu tout, et du coup ton adversaire est un peu perdu, tu vois, il est comme ça. Un perso à charge, c'est pas un train qui va te foncer dessus, non. Un perso à charge, c'est pas un perso qui va rajouter du délai comme ça. Non, un perso à charge, c'est un perso qui va charger, comme une batterie de téléphone, jusqu'à pouvoir lâcher une super ou un coup spécial. Guile dans Street Fighter, c'est un perso à charge, parce qu'il est obligé de charger avant de balancer ses Sonic Boom. Le frame trap. Tu pièges ton adversaire avec une frame, avec un délai, avec une connerie comme ça. C'est un frame trap. Un frame trap, ça peut être aussi un coup qui est long à revenir, mais pas assez long pour être puni. Et où tu peux redémarrer derrière quelque chose. Et où l'adversaire se fait piéger connement parce qu'il a cru que les frames étaient libres. Non, elles étaient prises. Elles étaient en couple. Le Dragon Punch. Le dragon. Ou le Shoryuken. Bon, évidemment, la première fois que c'est apparu, c'est dans un Street Fighter. Là, jusque-là, je vous apprends rien. C'est un mouvement signature de Ryu et Ken. Au départ, on parle d'un coup dragon ou shoryuken dans les autres jeux de combat aussi, si le perso a les mêmes un coup qui a les mêmes propriétés que le shoryuken de base. Genre les mêmes. Un coup invincible au démarrage, qui sert d'anti-air, qui fait de sacrés bons dégâts. Ouais. Bah on dit que c'est un dragon. Plein de personnages dans plein de jeux de combat ont des dragons. Dans Dragon Ball FighterZ, Vegeta a un dragon. Une dive kick, c'est quand ton personnage est en l'air et qu'un coup que tu actionnes se fait en diagonale. On appelle ça une dive kick. Même s'il fait un coup de poing, hein, on appelle ça une dive kick. Cherche pas à comprendre. Un happy birthday, c'est un bon anniversaire pour les enfants. Mais pas que. Un happy birthday aussi, c'est dans les jeux tag team. Où c'est un moment où tu arrives à toucher par inadvertance ou parce que tu es un génie du mal, tu arrives à toucher plusieurs personnages de ton adversaire en même temps dans un combo. Tous ces personnages-là prennent les mêmes propriétés de coups, hein, ils subissent les mêmes dégâts. On appelle ça un happy birthday. Camper. Alors si tu joues à un FPS, tu sais ce que c'est de camper, hein. Tu plantes la tente Quechua et c'est parti. Mais dans un jeu de combat, on parle de camper quand tu restes à distance un petit peu, tu vois. Tu profites de la portée de ton attaque, qui est bien supérieure à l'adversaire, pour rester à distance et pour t'accroupir dans un coin et genre... Généralement, quand tu campes, tu bouges pas. Hein. Ah, t'as planté ta tente et tu restes là. C'est jamais bon de camper dans les jeux de combat. Jamais bon. Non. Pas bon. Rien à voir avec le zoning. Attention. Le zoning, c'est une gestion de l'espace. Que ce soit au-dessus de toi, derrière toi ou devant toi, c'est la gestion de ton espace, de ta zone, tu vois. Si l'adversaire rentre dans cette zone, tu sais que tu peux le punir. Si il est en dehors de cette zone, tu sais que tu peux pas le toucher pour l'instant. C'est la gestion parfaite de ton espace. Un mix-up. Alors, autre qu'un tournoi français, le mix-up, c'est une variation de coups entre les coups haut, bas, gauche, droite. Tu vas essayer de varier les coups offensifs. Plus il y a de possibilités offensives, plus le gars qui va défendre, il doit faire les bons choix. Et du coup, plus le mix-up va être difficile à garder, dis donc. Dans certains jeux de combat, on parle d'un mix-up quand on parle aussi d'une stance. La stance que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous savez, l'état dans lequel votre personnage se met, qui peut changer ses coups. Bah, on peut appeler ça un mix-up dans certains jeux aussi. L'okizeme, c'est japonais. Mais l'okizeme, qu'est-ce que c'est? L'okizeme, c'est quand ton adversaire est au sol, d'accord? Et que, avant qu'il se relève, tu commences des combos.
tu commences un peu tes manigances, tu vois, pendant qu'il est en train de se relever. Tu lui mets la pression alors qu'il est toujours pas debout, le mec. C'est ça, l'okizeme. Dans l'okizeme, c'est un côté un petit peu psychologique, hein. C'est un petit peu du mind game. On appelle ça aussi le wake-up game. C'est le fait de jouer avec ton adversaire à la relevée. Est-ce que je vais le choper? Est-ce que je vais le taper en haut? Est-ce que je vais le taper en bas? Est-ce que je vais ne rien faire et le laisser faire une erreur? Quand tu gères l'okizeme correctement, ça donne un avantage certain dans le jeu. Attention, l'okizeme n'est pas aussi important dans tous les jeux de combat. Dans la série BlazBlue, par exemple, les personnages peuvent tout simplement se relever en roulade. La roulade, tu peux pas la toucher en fait. Donc du coup, bah, tu te relèves de manière safe. Un coup en Mythi, alors Mythi, M-E-A-T-Y, un coup en Mythique, c'est pas quelqu'un que t'as téléphoné après un rendez-vous mythique et où tu vas faire des choses sexuelles avec elle. Non, pas du tout. Un coup en Mythi, au moment où le personnage adverse se relève, par exemple, si tu démarres un coup à un timing très précis, le coup va se lancer, le personnage va se relever, mais au moment où le personnage adverse est touchable, ton coup touche pile à cette frame-là. On appelle ça un coup Mythi. Un reset, c'est tout simplement un reset. Alors tu resets pas, tu restarts pas le jeu, hein. Non, tu resets ton combo. C'est-à-dire que tu fais un combo, tu arrêtes, tu laisses une pause pour démarrer un autre combo derrière. Ça permet de surprendre l'adversaire. Par contre, c'est risqué. Si l'adversaire, il est dopé aux hormones, il va réagir très rapidement et il va te punir. Donc, faut faire gaffe à ça. Un counter hit, ou sinon un counter, c'est un coup en contre. Jusque-là, ça va. C'est genre ton attaque touche alors que l'adversaire était en train de t'attaquer, par exemple. Donc, ça annule son coup, t'as un contre. Et donc, tu as une plus grande fenêtre pour le punir. Un crush counter, c'est pareil, mais en plus vénère. C'est genre un coup spécial que l'adversaire te fait et que tu arrives à annuler avec un coup à toi. Et du coup, ça annule son coup spécial, ça le stun entre guillemets, et tu peux ensuite le comboter assez joyeusement. Quand vous entendrez OTG dans un jeu de combat, pensez on the ground. Ça veut dire tout simplement le personnage adverse est au sol. Quand un OTG existe, ça veut dire aussi que tu peux le toucher pendant qu'il est par terre. On parle d'un OTG surtout dans Tekken par exemple, ou dans les jeux 3D en général. Un stomp, c'est un coup pendant que ton personnage est au sol, alors que le personnage aussi adverse est au sol. Mais vraiment au sol, au sol. Genre, le personnage adverse est au sol, je vais le stomp. Je vais lui écraser sa tête là. C'est ça un stomp. Un overhead, comme on avait dit au début, c'est un coup par-dessus la tête. Quelle est cette propriété? À quoi ça sert? Tout simplement, si le personnage adverse garde, mais qu'il est accroupi, le coup overhead va passer par-dessus la garde. Bah oui, puisqu'il n'est pas debout pour garder. Il est accroupi. Du coup, ça va taper par-dessus sa tête, ça va briser la garde, et tu vas pouvoir le comboter. On parle pas forcément de coup overhead quand tu sautes, parce que tous les coups que tu fais pendant que tu sautes, si le jeu de combat est bien foutu, sont overhead. Obligatoirement. Donc, on parle de garde, mais il faut l'expliquer, la garde. Ou le bloc. C'est la défense. Hein, le bloc ou la garde, c'est, tu l'appelles comme tu veux. Il y a généralement deux types de garde. La garde haute, pour garder les coups overhead et les coups hauts, hein, tout simplement. Et la garde basse, pour garder les coups en bas. Par contre, la garde basse ne garde pas les coups hauts. Et la garde haute ne garde pas les coups bas. Ce qui me paraît logique, cela dit. Le block stun, en fait, pendant que le personnage adverse te touche, alors que tu as bloqué le coup, toi, tu ne peux rien faire, mais lui, il peut continuer à faire quelque chose. On dit que le block stun est favorable à la poursuite du combo et de ses rêves, peut-être. Tout ça, c'est un peu la base du pressing, hein, si tu veux. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Le pressing, c'est un combo en garde, et le block stun, c'est un coup en garde qui va te permettre de faire un autre coup en garde qui va te permettre un... Tu m'as compris. Un string block, ou un block string. Ça n'a rien à voir avec les sous-vêtements, alors calmez-vous. Un block string, ce sont des coups en bloc qui te gardent en état de garde, mais qui sont pas forcément combotables. Je m'explique. Ce sont des coups qui sont pas combotables, mais lorsqu'ils sont mis dans la garde, ça oblige l'adversaire à garder sa garde. Enfin, maintenir sa garde, si tu préfères. Dans les jeux en 3D, généralement, ce sont des coups où tu fais une succession rapide. Et où le mec peut juste pas bouger. S'il bouge un cil, il prend plein la tronche. Dans les jeux en 2D, on parle aussi de poke en garde, de block string, quand tu pokes comme ça l'adversaire, sans pour autant comboter, mais au moins tu le gardes en état d'alerte pour qu'il reste en garde. Pour que toi tu aies l'opportunité, la possibilité de te déplacer comme une fleur. Qui ne se déplace pas d'ailleurs. Attention aux joueurs qui se pensent confirmés et qui disent de la merde, le terme string, enfin block string ou autre, n'est pas un combo, hein. C'est pas un link, hein. Combien de fois j'ai entendu des joueurs dire « Oui, c'est un string, combo, machin, non. C'est un coup qui string un autre, non, non. Ça n'a rien à voir. C'est un link, pas un string. Foutez-lui la paix à ce sous-vêtement, merde. » Dans certains jeux de combat, et il y a même certains joueurs pro qui disent
J'ai fait un chain combo. C'était un string. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes là, Jean-Michel. C'est faux. Révise le lexique. Partage cette vidéo. Oui. Le guard break. Tu break la garde. Tu la brises. Tu la casses. Tu vois. Tu la défonds. Le guard break, c'est dans certains jeux où la garde n'est pas infinie. Hein, où si tu mets assez de coups dans la garde, elle explose. Et où tu peux comboter joyeusement. Il y a l'absolute bloc aussi. C'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup, mais qu'on voit de temps en temps dans les jeux de combat. L'absolute bloc, c'est quand tu gardes un combo de plus de deux coups qui sont combotables. Si tu lâches ta garde, ton personnage va rester en garde. Admettons, le gars te met en état de pression en face pendant que tu es en garde. Tu peux lâcher ta garde au bout de deux coups pendant qu'il fait son combo de trois quarts d'heure. Et toi, tu peux préparer une manipulation derrière. Et dès que le personnage adverse a fini, tu punis. Voilà. Après, il y a le Advanced Blocking. Alors, le Advanced Blocking, c'est plus compliqué à mettre en place, mais c'est beaucoup plus rentable pour le défenseur. Le Advanced Blocking, généralement, c'est quand tu arrives à appuyer sur ta garde lorsque le coup va te toucher. Ça annule le coup, donc ça le garde, mais ça a des propriétés supplémentaires qui te permettent à toi de contrer l'adversaire. On peut l'appeler le Just Guard aussi. Turtle. Tortue. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est une tortue? Non. Tu te mets dans un coin, tu t'accroupis et tu gardes toute ta vie. Tu turtles. Voilà. C'est pas tortue génial, c'est même pas génial de jouer la tortue d'ailleurs. L'invincibilité d'un coup par exemple, c'est une phase du coup, un nombre de frames donné qui sont invincibles. Ça ne veut pas dire que tu es immortel, ça veut juste dire que les coups adverses qui vont te toucher pendant ce laps de temps là, ne vont pas te toucher. Même s'ils te touchent, même si le coup de poing va traverser ta gorge, ça ne va pas te toucher. Tu ne subiras ni dégâts, ton personnage ne va pas ressentir les dégâts, ne va pas bouger, ne va pas s'arrêter de bouger, etc. C'est invincible. À la différence de la Super Armor, l'invincibilité, tout la traverse, mais rien ne perturbe ton personnage. La Super Armor, elle absorbe le coup. Le coup a été touché, et elle absorbe. Ça permet à l'adversaire de pouvoir continuer peut-être un combo derrière. Du coup, si l'adversaire te tape pendant que toi tu es en état invincible, comme le coup « whiff », entre guillemets, ça te permet de le punir, alors qu'il a tenté de te punir toi. Dans certains jeux, ils ont trouvé la combine. Dans Injustice, si ton coup touche l'adversaire pendant qu'il est en état invincible, ton coup est considéré comme l'ayant touché, même s'il n'a aucune propriété à proprement parler, mais au moins tu peux faire des actions données. C'est-à-dire tu peux cancel ton coup pour démarrer un combo derrière, pour annuler l'action adverse. Ouais, faut être rapide après, mais c'est faisable. Alors on parle de super armor, mais il faudrait peut-être parler de l'armor aussi. L'armor, c'est ton personnage qui fait une action, qui peut absorber les coups, mais qui subit quand même les dégâts. C'est pas une super armor. La super armor ne subit pas de dégâts. Là, tu subis quand même les dégâts, mais tu peux quand même continuer ton action sans te faire interrompre. Donc on a parlé de garde, il faut parler de paris. Et non pas les paris sportifs, hein, même si ça peut rester intéressant. Les paris, c'est tout simplement une parade. C'est le fait d'esquiver un coup ou de contrer les coups adverses. Ce qui rend généralement l'adversaire vulnérable et donc punissable. Dans JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle, par exemple, le pari, c'est juste une esquive un petit peu, tu vois. C'est un petit pas de côté en mode élégant. Ça s'active quand tu fais un Just Guard, ton personnage se fait un pas de côté un petit peu stylé, un petit peu dense avec moi, vas-y bouge ton boule. Mais comme t'es de côté et l'autre il est en train de taper vers là-bas, tu le regardes et tu le punis allègrement. Le Guard Impact, c'est une défense offensive. C'est pas logique, mais presque. Si t'arrives à garder un coup adverse qui est assez difficile à garder, ce qui va le repousser en fait. Et du coup, toi tu vas pouvoir attaquer. C'est un peu comme une parade au final. Le taking ou le tech. Le taking a deux définitions différentes. Numéro 1, taking, c'est quand on te chope, c'est pouvoir déchoppe cette chope avec ta chope. Ça fait beaucoup de chope dans la même phrase quand même. Quelqu'un veut te choper, tu presses le bouton chope, ça déchope. Ça, c'est un taking. Dans certains jeux, un taking, c'est autre chose. C'est aussi le moment où tu tombes au sol, le fait de faire une action donnée au moment où tu touches le sol, ton personnage se relève plus vite. On appelle ça un tech. Le push block, c'est quand tu gardes un coup adverse, l'adversaire qui va taper va reculer. On le voit beaucoup dans Injustice, Skullgirl ou Dragon Ball Fighters. Si vous gardez un gars qui fait trois fois le même coup, vous allez voir que le personnage adverse va reculer petit à petit. Un grappleur, c'est un chopper. Voilà. C'est un personnage qui est généralement gros, assez vénère, et qui, son but dans la vie, c'est t'attraper. Et te faire des trucs.
Je veux pas savoir après quoi, ça dépend des jeux s'ils sont moins de 18 ans ou pas. Un grappleur, généralement, il a pas d'échoppe simple, il a des échoppes spéciales qui ne s'activent qu'avec certaines manipulations. Une chope, on parle de chope, mais on n'explique pas ce que c'est la chope. On explique ce que c'est la chope, hein? Une chope, c'est un throw. Ouais, je parle super bien anglais, ouais. Ou un throw, si on parle un peu franchouillard. Un throw, c'est une projection. C'est tu chopes l'adversaire pour le projeter ou pour faire un peu de dégâts. C'est une chope, quoi. Tu le chopes, tu l'attrapes, tu le chopes, tu le throw, tu dis ce que tu veux. Et déchoper, évidemment, c'est l'inverse. On parle de 360 ou de 720, quand les chopes spéciales demandent un tour complet ou un double tour du stick. Donc ça va déclencher une chope spéciale et généralement, ouf, ça fait mal. Par exemple, dans Street Fighter, Zangief a ce genre de manipulation, ouais. Mais si, Zangief, là, le gros russe, costaud, pas content. Voilà, lui c'est un chopper. Alors, le trap chop, c'est trap, un piège, chop, chop. Donc tu pièges l'adversaire avec une chope. C'est une situation, un coup ou un combo, qui amène à ce que tu puisses le choper derrière. Chope ou pas chope? Est-ce que tu vas me choper ou pas? C'est un trap chop. C'est pas pareil qu'un tick throw. Un tick throw, donc un tick chop, mais ça se dit pas, on dit tick throw, d'accord? Un tick throw, c'est quand tu peux choper tout de suite après avoir touché un coup. Généralement un coup rapide, et qui est libre de choper derrière. Qui est encore différent d'un hit throw, parce qu'un hit throw, c'est un coup dans lequel une chope est inclue. Généralement, c'est un coup spécial qui déclenche une chope derrière. Si le coup est touché en garde, la chope ne se déclenche pas généralement. Un dash ou un back dash, c'est une accélération brusque de ton adversaire, vers l'avant ou vers l'arrière. Back dash arrière, tu m'as compris. C'est un déplacement rapide, oui. C'est pas une course, mais c'est punissable. Vu que le personnage adverse est occupé à se déplacer, même si c'est très rapide et très court, il peut pas garder pendant ce temps-là, donc tu peux le punir. Un step, c'est différent. Un step, c'est un pas de côté, un petit peu, si tu préfères. Un pas latéral dans les jeux de 3D, quoi. Qui est encore différent d'une run, hein, une run où ton personnage court. C'est pas un déplacement rapide, c'est juste, il court. Le air control, c'est quand ton personnage est en train de tomber, par exemple, quand t'as pris un gros uppercut dans la tronche et que ton personnage est envoyé en l'air, le air control, ça te permet de décider plus ou moins où est-ce que tu vas atterrir. Sans avoir pour autant le contrôle du personnage. C'est tu arrives à diriger plus ou moins la distance vers où tu vas atterrir. Voilà. Ça te permet de peut-être éviter des combos. Le corner carry, c'est un combo ou une action donnée qui va te permettre de porter ton adversaire jusqu'au coin. Un personnage qui a un bon corner carry, c'est un personnage qui peut d'aller d'un bout à l'autre de l'écran avec un combo, dans le but de cornerer de l'adversaire. Cornerer de l'adversaire, le coincer dans le coin, et tu le zook à l'infini, tu vois. Le wall bounce, c'est le fait de faire rebondir ton adversaire sur un mur existant ou non, ça on s'en fout, mais c'est le fait qu'il rebondisse. Du coup, tu peux peut-être continuer un combo derrière. Alors, la roulade, ou le roll en anglais, hein, généralement on dit roulade, mais il faut savoir que dans certains jeux, ça te permet d'esquiver certains coups, mais généralement pas les chocs. Un rush, c'est foncer sur l'adversaire. Quand tu veux bourrer ton adversaire, comme on a vu tout à l'heure, d'abord il faut le rusher, il faut se déplacer rapidement pour pas lui laisser le temps de souffler, pour lui bourrer la tronche, pour pas lui laisser le temps de souffler non plus. Ben un rush, c'est le déplacement. Voilà. Un crouch tech ou un tech crouch, tu fais ce que tu veux, d'accord? Un crouch tech ou un tech crouch, c'est le fait de se baisser pour éviter une chope. Généralement, les crouch tech, tu les vois bien dans Mortal Kombat 11. Le personnage se baisse, tu chopes dans le vide, et il te punit avec un bas gros point. Crushing blow, tout ça. On connaît tous les bons bails. A l'inverse, le tech jump, ben du coup, tu sautes pour éviter les chopes. Et les coups bas, du coup. Le cross-up, ou le cross-down. Le cross-up, c'est le fait de passer derrière l'adversaire. Donc par-dessus, cross-up, ou par-dessous, cross-down. Généralement, même quand ton personnage se téléporte derrière, on va dire cross-up. Parce que passer derrière l'adversaire, ça offre beaucoup d'avantages. Surtout si la garde, à la base, c'est le bouton arrière, alors que tu passes derrière, du coup ça devient le bouton avant, et du coup il garde plus. Piège. Ah ah ! Le footsie, c'est dans le neutral game. Le footsie, c'est la gestion de l'espace avec des petits pas. Petit pas, 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 petit pas. Le footsie intervient surtout dans le neutral game, où on va pouvoir se jauger avec des petits pas pour essayer de punir l'adversaire, tout simplement. Ou lui laisser commettre une erreur et le punir derrière, ou peu importe. Un instantaire, c'est le fait de sauter et de faire un coup derrière, mais ton saut est tellement bas, c'est genre un saut de 3 cm de haut, t'as sauté par-dessus un verre d'eau. Mais ton coup garde les propriétés comme si ton personnage était en l'air
en l'air, quoi. Du coup, ça te permet d'override rapidement ou des choses comme ça. Un instantaire dash, par exemple, c'est un dash alors que t'es à peine en l'air. Et l'instant override, c'est pareil. C'est à peine t'as sauté d'un centimètre, et du coup, ça fait override même si t'es qu'à 2 cm du sol. Ça peut permettre de piéger l'adversaire, hein, de temps en temps, ça peut, ouais. Ça peut permettre des petites phases, un petit peu, tu vois. Les... Un chimie, c'est retarder son attaque avec un déplacement arrière, généralement, pour punir derrière. Hein, créer un counter délibéré ou créer une chop. Attention, un chimie n'est pas un décalage chop. Hein. Un décalage chop, c'est que tu laisses un délai supplémentaire pour pouvoir choper derrière. Un chimie, ça inclut un déplacement. Le spacing, c'est jouer avec la distance maximum que ton personnage peut se permettre. C'est un peu comme du zoning, mais à l'extrême, tu vois. Généralement, pour faire ça, on parle de spatial cognition. C'est genre, tu as la compréhension totale de ton environnement. T'es un petit peu le migaté de l'environnement, tu vois. On parle de stalling quand t'es un joueur qui laisse passer le temps. Tu vois, dans les jeux de combat, il y a le temps qui défile. Et arrivé à la fin, celui qui a perdu le plus de vie a perdu. Quand tu stalls la game, tu as fait perdre beaucoup de vie à l'adversaire, toi t'en as pas perdu beaucoup, du coup tu vas reculer. Tu vas reculer, tu vas te mettre à l'abri, tu vas essayer d'éviter le combat jusqu'à la fin du time-out, en fait. Tout simplement. Et gagner comme ça. C'est une technique comme une autre. On ne juge personne. Le 2-in-1 combo, ou le combo 2-en-1, même si des fois on parle d'interrupt combo ou de special cancel, mais bon. C'est un combo qui, après un coup spécial, un coup donné dans le combo, te permet d'annuler l'animation pour démarrer autre chose derrière. Genre tu interromps ton combo en cours pour démarrer un autre combo. C'est audacieux. Avec certains personnages dans Street Fighter, quand tu fais un coup spécial, c'est le fait d'annuler ton coup spécial après une certaine phase du coup, pour en démarrer un deuxième coup spécial derrière. Qui n'a rien à voir, mais qui te permet peut-être de faire plus de dégâts ou plus de coups, plus de combos. L'aerial rave, c'est un juggle alors que toi aussi t'es en l'air. Tout simplement. Tu jongles avec ton adversaire alors que toi aussi t'es en l'air. En fait, tu vas le taper et le hit stun va faire en sorte que le personnage va pas bouger, mais toi non plus. Du coup, vous allez rester en l'air. Une throw attack, ou une attaque throw, ça dépend comment tu veux le dire, c'est sous certaines conditions une attaque qui finit par une chop. Automatique ou non. Un burst. Un burst. Alors, ça a différentes définitions au final, le burst. Un burst, par exemple, dans Guilty Gear, c'est une espèce de jauge que tu as qui te permet de, pendant les combos, de briser le combo, tout simplement pour t'en sortir. Les combos ou les block strings qu'on a vu précédemment. Du coup, avec le burst, ça te permet de te libérer un petit peu de cet état où t'es trop défensif, où tu peux rien faire et juste patienter. Et ça te permet de toi essayer de prendre l'avantage ou alors de retourner dans un neutral game un peu plus calme. Dans d'autres jeux, le burst est considéré comme genre tu vas burster ton adversaire, genre tu vas lui enlever un maximum de vie avec un truc super impressionnant mais qui fait très peu de coups. Un crumble, c'est très bon avec une tarte aux pommes, mais un crumble, avant tout, c'est un coup où l'adversaire va chuter lentement. Dans certains jeux, Tekken ou Street Fighter par exemple, un coup à l'estomac est un crumble. Pourquoi ? Parce que l'adversaire qui a pris le coup dans l'estomac, il va s'écrouler genre oh, tu vois le délire. Un CSTN. Non, ce n'est pas une chaîne câblée. Un CSTN, c'est un cancelable stun. Ou un stun cancelable. C'est arriver à annuler l'étourdissement. Par exemple, ton personnage est stun. Dans certains jeux, pendant que ton personnage est stun, le jeu te fait signe qu'il faut appuyer sur les boutons, par exemple, pour essayer de t'en sortir. Voilà, pour sortir de l'état du stun. Donc, annuler ton stun. Donc, CSTN. Cancelable stun. Le Death Trap. Alors, c'est pas un piège de la mort, pas proprement parlé. Le Death Trap, c'est une zone dans la zone de combat auquel tu vas pouvoir tuer l'adversaire juste s'il est dans la zone. Par exemple, dans Mortal Kombat Deception ou dans Soul Calibur, la Death Zone, c'est le fait de sortir de la zone de combat, tout simplement. Et le personnage adverse meurt d'un coup. Voilà. La Death Zone, ça peut aussi faire des dégâts supplémentaires à l'adversaire si il est dans cette Death Zone-là et que ça change de zone. Par exemple, dans certains Tekken, quand le personnage adverse est dans un certain endroit, le stage change, en fait, et du coup, tu peux continuer le combo. On appelle ça une Death Trap, là aussi, parce que c'est un petit peu un piège. Un Deep Hit, c'est un coup profond. Rien de pornographique là-dedans. Généralement, un Deep Hit, c'est un gros coup qui donne un gros hit stun qui te permet de faire quelque chose derrière. Un Deep Hit qu'on utilise souvent, quand tu sautes, que tu utilises gros poing ou gros pied, ça donne un hit stun assez conséquent qui te permet de comboter derrière. Fuzzy Guard. Alors, je vais vous l'expliquer simplement parce que les termes sont assez compliqués. Pour faire simple, le Fuzzy Guard, c'est le fait de garder en haut
et en bas, de manière répétée. Dans certains combos, dans certains jeux, le Fudzigarde, c'est le fait de garder en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut, pour contrer certains combos, qui tapent dans différentes directions. Mais on peut parler de Fudzigarde aussi, parce que dans certains jeux, le fait de faire un coup haut et un coup bas, suivi d'un coup haut rapide, si l'adversaire a gardé, même correctement, malheureusement, le troisième coup qui est haut, après un coup bas, va forcément toucher par-dessus la garde, puisque la garde n'aura pas le temps de se relever. C'est très rare, puisque généralement ça n'existe plus de nos jours, mais ça existe. Ça a existé du moins. Après, ça veut forcément dire que tu connais les phases adverses de ton adversaire, ou ses combos. Ça, si tu Fudzigarde correctement, ça veut dire que tu connais son combo, ou que tu connais sa manière de jouer. Ou alors que tout le monde joue le personnage adverse de la même manière, donc tu le connais par cœur. Si tu n'as pas la connaissance nécessaire, généralement, le Fudzigarde, tu le fais pas. Il y a d'autres façons de se défendre en Fudzi. Par exemple, le Jump Fudzi, ou le Aber Fudzi, ou le Poke Fudzi, ou le Fudzi Backdash, ou le Fudzi à la plage, ou Fudzi fait son sac pour la rentrée des classes. Il y a beaucoup de Fudzi différents, mais vous m'avez compris, c'est un système de défense qui se base sur ta connaissance, surtout. Le Guard Cancel. Ça a deux définitions selon les jeux. Le Guard Cancel, dans la plupart des jeux, généralement, c'est quand tu subis des coups dans ta garde et que tu annules ta garde. Ça annule en même temps les coups adverses, mais ça te demande de griller quelques barres de super, généralement. Du coup, ça te permet de contre-attaquer, en général. Mais le Guard Cancel, dans certains jeux, c'est quand tu es toi attaquant, c'est de annuler un combo en cours en appuyant sur le bouton garde. Ce qui te permet d'annuler un coup et de redémarrer un autre derrière. Guard Cancel. Alors, le Hunter Chain fonctionne différemment selon les jeux. Mais c'est normal. C'est un type de coup qui touche avec un autre type de coup. C'est pas clair ? Attends, j'arrive. Par exemple, si tu fais moyen pied, un Hunter Chain moyen pied, ça va être un moyen point. Les deux coups vont se linker ensemble. Si tu fais moyen pied, petit point, ça va pas linker ensemble. Du coup, le Hunter Chain n'est pas, ne fonctionne pas. Dans certains jeux, un gros point peut Hunter Chain avec un petit pied. Ou l'inverse, un petit pied peut Hunter Chain avec un gros point. C'est un peu des chain combos au final. C'est tu links des combos avec des coups qui ont rien à voir, mais où ça link quand même. La mécanique est très présente dans Marvel vs Street Fighter ou dans X-Men vs Street Fighter. Ce sont des vieux jeux, mais ce genre de choses est très présente là-dedans. Après, on en parle un petit peu, mais très rarement, dans tout ce qui est Street Fighter, etc. Même si les jeux utilisent le terme petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied, c'est pas pour autant qu'il y ait du Hunter Chain dedans. Ou du moins, il y en a, mais on n'en parle pas. C'est pas intéressant d'en parler. Le Jump Installing. Oula, celui-là, il est compliqué. Dans la plupart des Guilty Gear, à la base, c'était considéré comme un bug. Mais, ça a été gardé par les développeurs. Pourquoi ? Parce que c'était super skillé, quand même. L'idée, c'est que pendant un coup, tu appuies sur le bouton haut, ce qui va toucher ton coup, sauter tout de suite directement derrière, et où tu vas pouvoir annuler ton saut par un autre coup. Tout ça, avant que le saut ne soit considéré comme fonctionnel. Le but de tout ça, ça permet tout simplement que, alors que t'es en l'air, que tu as touché ton adversaire avec 2-3 coups, que tu as cancel de manière bien distincte, ton personnage est toujours considéré comme étant en l'air, et du coup tu peux faire certaines actions que normalement tu n'es pas censé pouvoir faire, comme dash en l'air ou les choses comme ça, pour te remettre à l'abri. Quand tu fais un coup pendant que tu sautes, tu ne peux pas faire d'autres actions en l'air, généralement. Ben là, en faisant ça, tu peux. C'est très pointilleux sur Guilty Gear, mais on peut l'apercevoir plus ou moins facilement dans d'autres jeux en 2D. C'est pour ça qu'on en parle. Un layer, c'est tout simplement un espèce de combo, alors que t'es un gros menteur sa mère. Un layer, c'est un espèce de mix-up, où tu vas faire ton combo habituel, mais l'adversaire en face connaît le combo. Du coup, il va Fudzigarde, il va garder en haut et en bas de manière totalement timée, de manière parfaite, si tu préfères. Mais si t'es un layer, tu vas faire ton combo normal et tu vas retarder un coup. Et le mec va se tromper et du coup, tu vas pouvoir lui ouvrir la garde assez facilement. Le Negative Edge, c'est tout simplement, quand tu appuies sur tes boutons, le jeu ne considère pas les actions comme faites. Il faut avoir relâché les boutons. Dans la série Street Fighter, par exemple, quand tu appuies sur tes directions et après sur ton coup, il faut que les directions soient lâchées avant que tu appuies sur ton coup. Sinon, ça fonctionne pas du tout. Donc, ça s'appelle le Negative Edge. L'Option Select, ça utilise un petit peu le buffering qu'on a vu précédemment. Sauf que l'Option Select, ça va enregistrer une manipulation que tu as demandée, oui, mais le jeu va sélectionner la meilleure façon de l'utiliser. C'est-à-dire, imaginons, ton adversaire est en garde. Tu fais la manipulation pour sortir ta super attaque,
Mais vu que l'adversaire est en garde, le jeu considère que non, tu vas juste sortir le point normal. Attends, c'est pas fini. Si, dans la même situation, tu fais ta manipulation pour sortir ta super, mais le coup va toucher puisque l'adversaire n'a pas mis la bonne garde, eh ben du coup, la super va sortir. Parce que le jeu considère que c'est la meilleure option pour ton personnage, du coup, il va te laisser sortir la super. Par exemple, dans Street Fighter 2, une chope en option select, c'est une chope qui va bien choper si le personnage adverse est à portée, sinon, ton personnage va rien faire. Voilà, et du coup, c'est un petit peu de la triche au final. C'est un peu comme faire une chope qui est non punissable, parce qu'elle se déclenche que si t'es sûr de toucher. Plus récemment, au début de la sortie de Grand Blue Fantasy, avant les mises à jour, je dis bien, il y avait beaucoup d'option select. Ah, tu pouvais faire un combo super, et si le gars arrivait à se protéger de la fin de ton combo, eh ben ta super ne sortait pas. Si l'option select est présente dans ton jeu, généralement, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un défaut quelque part, ou c'est que il y a une de tes mécaniques qui fonctionne pas correctement dans ton jeu. Donc il va falloir rebosser ça, Jean-Michel. Un réka, ou un coup en réka, c'est un coup que tu peux faire plusieurs fois pour le faire comboter. Le Reka, ça vient du Rekaken de Fei Long de Street Fighter 2. Ou 3. Non, le 2. Je crois que c'est le 2. Où en fait, il faisait un coup spécial, et puis il pouvait refaire le coup spécial, qui fonctionnait en juggle, et puis il pouvait refaire le coup spécial une troisième fois, qui fonctionnait encore une fois en juggle. Ça fait des gros dégâts. Un loop, c'est pas un Reka. Un loop, c'est une phase qui peut être répétée plusieurs fois dans un combo. Un Reka, c'est un coup spécial, ou un coup, qui peut être répété plusieurs fois lui-même dans le combo, ou qui fait lui-même le combo d'ailleurs. Un sabaki, c'est pas de la bouffe japonaise, ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Un sabaki, c'est une attaque qui part ou qui annule automatiquement un coup adverse. C'est une espèce de parade automatique qui est liée à un de tes coups. Ceci dit, c'est punissable quand même. Hein. Tu n'es pas invincible, tu n'es pas super armor non plus d'ailleurs. Parce que certains coups permettent d'annuler le sabaki. Donc du coup, tu prends dans la tranche quand même. Bon, je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'on voulait dire. Là, on est bon. Ah, ça fait une tripotée de choses à apprendre, hein, quand même. Bon, elles sont pas placées de la manière la plus optimale pour apprendre, hein, mais j'ai fait comme j'ai pu. Hein. De toute façon, en dessous, dans la description, il y aura le timer pour chaque mot. Donc comme ça, vous pourrez pas vous perdre. Bon, en tout cas, c'était bien casse-couille. J'espère que ça a été clair. Si ça l'a été pas, dommage. Sinon, venez sur le Discord et venez me dire « Eh, ça, j'ai pas trop compris. Tu peux m'expliquer ?» J'essaierai de t'expliquer si t'es sage. Parce que de toute façon, même si tu marques des commentaires sous la vidéo, je les verrai, mais je répondrai sûrement pas. Ah, j'ai autre chose à foutre. C'est dans la description, là aussi. Tu viens. Juste, tu viens. C'est un Discord Micromania, donc on discute, on joue, et puis on présente les promos, puis on discute, on joue. Donc, viens, à un moment donné, là. Bon, je vous laisse. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. De toute façon, je ne sais pas, c'est pas du dire. Bon, il est tard. Quelle heure est-il ? 2h35 ?